Bonjour à toutes et à tous. Le 27 mai 1921 est un jour qui a marqué la vie de Marie Curie. Ici à Paris, sous une chaleur écrasante, le ministre de l'Intérieur Pierre Marot signe un nouveau décret. Un décret qui approuve les statuts de la Fondation Curie. Elle est reconnue établissement d'utilité publique. La Fondation Curie est née. Marie Curie ne va pas célébrer l'événement le jour même avec son conseil d'administration, puisqu'elle est aux États-Unis, à Pittsburgh, où elle va recevoir un gramme de radium offert par des femmes américaines grâce à une collecte menée par une journaliste de renom, Miss Meloney. C'était il y a 100 ans, jour pour jour, et aujourd'hui, depuis le cœur du 5e arrondissement, berceau de cette fondation, nous allons lancer les célébrations de ce centenaire. Nous allons parler d'engagement, de générosité, de soins, nous allons parler de recherche, nous allons parler également d'accompagnement du patient, en compagnie de toutes celles et ceux qui travaillent et œuvrent au quotidien pour que perdure cet esprit Curie, cette tradition Curie d'innovation et d'excellence dans la lutte contre le cancer. Nous allons plonger dans cette histoire avec un grand H, en compagnie des collaboratrices et collaborateurs de l'Institut Curie, que ce soit les médecins, les soignants, le personnel administratif. Nous allons aussi rencontrer des membres de la famille Curie. Nous allons rencontrer le directeur adjoint du siège, des membres du conseil de surveillance, et puis des grands donateurs et le directeur du musée Curie qui nous accueille aujourd'hui et que vous allez du coup découvrir tout au long de cette émission. Je suis Nathalie Touret, je suis journaliste et je suis ravie d'animer cette émission consacrée au centenaire de la Fondation Curie, née grâce à la générosité, pour la générosité. Et nous débutons cette émission dans un lieu pour le moins symbolique, le bureau de Marie Curie, où je me trouve en compagnie du professeur Thierry Philippe. Bonjour Thierry Philippe. Bonjour. Alors, ça fait 7 ans, Thierry Philippe, que vous dirigez l'Institut Curie. Vous occupez donc cette fonction au moment de ce centenaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, d'abord, la responsabilité, l'impression, surtout dans ce bureau, de faire partie d'une histoire. Une histoire qui est assez proche de la mienne, finalement, parce que j'ai dirigé pendant 20 ans le centre anticancéreux de Lyon. Lyon, dont arrivait Claudius Regaud. Qui est quand même l'autre grand personnage avec Marie Curie. Donc cette impression de faire partie d'une histoire, d'être complètement ambitieux pour cette maison qui maintenant est tournée vers l'avenir. Penser aussi à ce qu'on appelle ici l'esprit Curie qui a existé depuis le début, depuis Marie Curie, qui existe toujours aujourd'hui, aussi bien pour la personne qui nettoie par terre que pour le docteur le plus primé et le plus célèbre de l'Institut Curie. Donc un esprit qui est particulier, que j'ai retrouvé aussi dans d'autres centres de lutte contre le cancer, parce que finalement, ici, c'est l'ancêtre des centres de lutte contre le cancer. Et peut-être une impression de temps en temps d'être un nain sur les épaules de géants, et de géants qui nous ont précédés et qui sont finalement nos racines, avec lesquelles, même si mon rôle c'est de faire évoluer les choses, mais les épaules en question, il ne faut pas les quitter parce que c'est les racines. Bien sûr, et on sent vraiment ici dans on ce sent musée, le poids de cette histoire. Bien sûr. Alors on va parler de ce modèle que l'on honore finalement à travers ce centenaire et cette coopération féconde entre recherche et thérapeutique. Qu'est-ce qui caractérise ce modèle Curie? Il est particulier, vous voyez, je connais bien l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, c'est en général des hôpitaux qui soignent des malades et puis il y a de la recherche qui se greffe un peu à côté. Là vraiment c'est différent, ici la recherche est première. Marie Curie, elle ne cherchait pas à soigner des malades, elle a cherché d'abord à comprendre un certain nombre de choses. Donc les racines de l'Institut Curie, c'est la recherche fondamentale, c'est cette volonté de comprendre le vivant. Et une fois qu'on a compris, il y a une deuxième volonté, parce que c'est quand même Marie Curie qui a été chercher Claudius Regaud, il y a une lettre célèbre où elle écrit à Claudius Regaud, donc c'est elle qui va chercher le médecin en disant « maintenant, ça pourrait peut-être servir à quelque chose ». D'accord. Donc c'est la deuxième chose, c'est que si la recherche est première, l'hôpital est second. Et finalement, le lien entre les deux se fait au bout d'un moment dans les deux sens. Parce que évidemment, les chercheurs posent des questions aux médecins, mais les médecins posent des questions aux chercheurs. Et ce modèle Curie, il est donc recherche-soin. Mais il n'y a pas que ça.
parce que dans la fondation de cette fondation Curie, il y a l'université. Il y a l'Institut Pasteur, mais il y a aussi l'université. C'est très important, parce qu'on ne peut pas faire de recherche sans étudiants, sans thésards. Donc on a un lien avec les universités qui est absolument fondamental. Puis il y a un quatrième pilier, parce que finalement il y en a quatre, hein, le soin, la recherche, dans l'ordre qu'on veut. Moi je mets la recherche, le soin, l'université et évidemment les donateurs. Bien parce sûr. Que dans ces fondations de l'Institut Curie, là aussi, Marie Curie est précurseur comme pour tout. C'est elle qui a été chercher un certain nombre de gens, pas uniquement aux États-Unis, en France d'abord, pour financer ses recherches. Et finalement, 100 ans plus tard, on en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de recherche contre le cancer rapide en essayant de régler les problèmes si on n'a pas, en plus de l'argent de l'État, les donateurs qui viennent nous aider. Et ici, c'est fondamental. Et on va évidemment en parler avec eux, d'ailleurs, dans quelques instants. Alors ce triptyque, recherche, soins et transmission des savoirs, il est placé, bien sûr, au service de votre objectif, guérir du cancer et donc au service du patient. Ce patient avec lequel on voit bien l'Institut Curie a une relation particulière. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette relation avec le patient, ces 100 dernières années? Alors, elle a déjà évolué dans le vocabulaire, parce que ce ne sont plus des patients. Finalement, le patient qui s'assoit, qui attend 2 heures, qu'on veut bien arriver, tout ça, c'est fini. Ce sont des personnes malades. Et je crois que le vocabulaire est important. Ce qui compte ici, c'est de soigner 15 000 nouveaux malades différents tous les ans. Mais ils sont différents, ça veut dire que chacun individuellement doit exister. C'est une personne. Il se trouve qu'elle est malade. Moi, c'est vrai que j'aime bien le logo de l'Institut National du Cancer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est une femme à genoux et une femme debout. Et ça, c'est bien l'expression aussi de l'Institut Curie, où on fait beaucoup de cancers du sein. Bien sûr. La femme à genoux et la femme debout se regardent. La femme qui est debout a été à genoux, et celle qui est à genoux sera debout. Et c'est ça, nous, c'est de faire en sorte que ceux qui sont à genoux se lèvent le plus vite possible et reviennent dans une vie normale. Alors justement, vous êtes, ce sont vos mots, une boussole dans la lutte contre le cancer. Comment faire pour que, dans les 100 prochaines années, l'Institut Curie continue à donner le cap? Alors d'abord, il faut vraiment mettre l'Institut Curie dans le paysage en disant « nous sommes différents ». Certes, on fait partie de la famille des centres de lutte contre le cancer. Certes, on fait partie de la famille de la recherche avec l'INSERM, le CNRS et l'université. Mais l'endroit où il y a 1200 chercheurs, 2000 personnes qui soignent au même endroit, qui se réunissent ensemble pour faire, c'est unique. À ce niveau-là, c'est unique. Et ce modèle intégré, nous, on considère qu'il est indétricotable. Et que quoi qu'il arrive dans le futur, on peut imaginer que les centres anticancéreux rentrent dans les CHU, qu'un jour l'INSERM CNRS devienne simplement une partie des universités. Très bien, mais l'Institut Curie, ça doit rester l'endroit capable de s'adapter à toutes les évolutions, où finalement se teste ce qui va être l'avenir, ce qui va être la suite, ce qui va être le futur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des chercheurs à qui on dit « mais on ne vous demande pas de faire quelque chose qui va servir aux malades. Travaillez, essayez de comprendre. Peut-être que dans 6 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, ça servira à quelque chose. Travaillez dans votre coin, tranquillement, faites ce que vous avez envie. Et surtout, n'oubliez pas qu'à un moment donné, nous, on fera en sorte que ça aille vers le malade. » Et ces chercheurs, on va s'entretenir avec eux dans quelques minutes. Merci Thierry Philippe. Merci à vous. Alors on vient d'évoquer l'avenir. Moi je vous propose de faire un petit retour en arrière. Un retour en images sur les grandes innovations et découvertes scientifiques et médicales issues de Curie. We'll be right back.
Et on se retrouve justement au cœur de la recherche, dans le laboratoire de Marie Curie, où je me trouve en compagnie de Renaud Huyn. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée Curie. Et de Marc Joliot. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes l'arrière-petit-fils de Pierre et Marie Curie et vous êtes également membre du conseil de surveillance. Alors ma première question va s'adresser à vous, Renaud. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous resituer l'endroit où nous nous trouvons plus précisément ? Alors nous sommes précisément dans le laboratoire de chimie qu'occupait Marie Curie à l'Institut du Radium puisqu'elle était directrice de ce laboratoire où on faisait de la recherche en physique et en chimie. Et juste en face, il y avait ce laboratoire Pasteur où on faisait de la recherche en biologie pour étudier les applications, finalement, des recherches qui se déroulaient dans ce laboratoire. Renaud, rappelez-nous comment a été créée la Fondation et puis ensuite comment est né, finalement, l'Institut Curie. Alors, la Fondation est vite devenue une nécessité dès la fin du conflit, de la Première Guerre mondiale, pour pouvoir doter l'Institut du Radium de moyens suffisants, que le docteur Regaud puisse développer ses recherches sur les utilisations médicales des radiations et que Marie Curie puisse elle-même développer les recherches pour mieux comprendre finalement la nature de ces rayonnements. Donc la Fondation est créée dans les années 20 et sa première réalisation va être de construire un dispensaire qui va permettre d'accueillir des patients. Et très vite, ceci va se structurer, se développer. Dans les années 70, l'Institut du Radium et la Fondation Curie vont fusionner pour devenir l'Institut Curie qui porte encore aujourd'hui ses valeurs. Et donc au départ, tout se fait ici ? Oui, l'essentiel se fait ici, dans ces trois bâtiments, celui qui est dédié à la recherche fondamentale, dirigé par Marie Curie, le laboratoire Curie, et puis celui qui est dirigé par le docteur Regaud, le laboratoire Pasteur, pour essayer justement d'avoir cette collaboration entre les chercheurs et les médecins et biologistes qui pouvaient utiliser ces résultats. On est ici au cœur de l'histoire et merci encore de nous accueillir, Renaud. Marc Joliot, vous êtes arrière-petit-fils de Pierre et Marie Curie, membre du conseil de surveillance de l'Institut Curie. Quel est votre rôle finalement ? La famille Curie s'est toujours intéressée au devenir de l'Institut Curie. C'est comme ça. Après Marie Curie, bien sûr, Irène Joliot-Curie a pris la direction de cet institut en tant que directrice, parce qu'elle était physicienne aussi. Et après, Ève Curie, donc ma grande tante, aussi s'est beaucoup intéressée à Curie. Elle fait partie du membre du conseil d'administration et ainsi de suite. Il y a eu mon père, Pierre Joliot, qui fait ça, et il m'a donné cette... c'est pas une charge, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous fait plaisir, de s'occuper de Curie, de regarder ce qui s'y passe, et de les aider aussi. Par exemple, pour le musée, on fait des conférences sur la famille, sur Marie Curie, etc. Et donc, voilà, on accompagne, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, si on regarde en arrière, si on regarde les valeurs que portaient Pierre et Marie Curie, et celles que porte aujourd'hui l'Institut, on est raccord ? On est tout à fait raccord. On est raccord sur plusieurs points. Par exemple, il y a une valeur qui était, je pense, essentielle pour Marie Curie, c'est que la science soit ouverte, dans le sens que les résultats de la science aillent partout. C'était ce qu'on appelle aussi une positiviste, c'est quelqu'un qui croyait en la science, croyait que, et j'y crois aussi, que la science va amener des bienfaits à tout le monde, à l'humanité. Mais bien sûr, tout ça, ce n'est que possible si les résultats de la science sont ouverts à tous. Ils ont découvert le radium, tout un moyen d'extraire ce radium, et ils n'ont jamais posé de brevet dessus. L'idée de Marie Curie, c'était que la science était ouverte, et je pense que c'est une très bonne idée, et il faut continuer là-dessus. On voit aujourd'hui, dans le contexte sanitaire que l'on connaît, qu'il faut aussi redonner, marteler la confiance en la science. Moi, je suis comme Marie Curie, c'est pas une filiation, j'ai été élevé comme ça, j'ai une confiance dans la science. Mais indépendamment de ça, il faut être vigilant, que les applications ne soient pas au-delà d'une limite, si je puis dire. Mais il faut continuer à chercher, il faut avoir cette confiance dans la science. Et je pense toujours que la science devrait primer. Donc la confiance en la science, effectivement, point de vigilance. L'autre point, l'autre valeur importante importée par Pierre et Marie Curie, c'était cette égalité entre les hommes et les femmes. Oui, c'est surtout le respect de l'autre, le respect du travail de l'autre, le respect de l'un et de l'autre. Homme ou femme, finalement, la distinction n'existait pas. C'était deux scientifiques qui se respectaient mutuellement. Et si on peut parler de féminisme, on pourrait presque dire que Pierre Curie était plus féministe encore que Marie. Et ensemble, ils ont pu justement faire ces recherches, faire ces découvertes et les partager avec le monde entier. Marie Curie est devenue un modèle. Beaucoup de femmes en science nous expliquent qu'elles se rapportent à Marie Curie, que c'est pour ça qu'elles sont dans la science et grâce à elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir quand elle était vivante de ce qu'elle a fait ? Bon, elle a toujours été
vraiment mobilisée pour l'éducation des femmes. Chaque fois qu'elle avait l'occasion, elle martelait ce message-là, disant aux femmes, venez, apprenez, venez dans la science. Et c'est ça qui a donné lieu peut-être en partie à sa légende. Il faut voir aussi dans quel contexte elle vivait. Donc, c'était la première professeure à l'université à la Sorbonne, suite à la mort de son mari. Elle le dit elle-même, elle le dit, j'ai probablement été nommée professeure à cause de l'émotion suscitée par la mort de Pierre Curie. Mais il n'empêche que du coup, ça lui a offert une vitrine et quelque chose qui était très important dans cette défense de la femme. Après, on se rend compte qu'elle vivait dans un milieu d'hommes. On regarde les congrès Solvay, qui commencent donc au début du siècle là-dessus. C'est un congrès physique-chimie. On regarde les photos, vous avez une femme et 20 hommes. Une femme, Marie Curie, 20 hommes. 60 ans après, on se dit, bah, fou, ça va être révolu. Eh bien non. Quand on regarde, en 2018, le nombre de femmes qui étaient chercheurs, directeurs de recherche ou professeurs, en fait, c'est une femme pour 3 hommes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une progression, mais c'est lent, c'est lent. Il faut être en permanence vigilant parce qu'on n'est pas arrivé à cette égalité que Marie Curie et Pierre Curie en faisaient un espèce de cheval de bataille. Effectivement, Renaud a raison, ils étaient vraiment à égalité là-dessus. Et donc, Curie, c'est comme beaucoup d'autres institutions, il faut qu'ils se mobilisent là-dessus. Ils sont mobilisés, il y a un plan pour l'égalité des genres, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. C'est un des combats sur lequel moi, en tant que représentant de la famille, je vais essayer de faire avancer, j'essaye de faire avancer en tant que membre du conseil de surveillance. Merci Marc, merci Renaud. Alors vous allez le voir, il y a pour autant des femmes à l'Institut Curie. Nous sommes partis à leur rencontre, à la rencontre des collaboratrices et des collaborateurs sur les 3 sites de l'Institut, Orsay, Saint-Cloud, Paris. On leur a demandé ce que leur évoque ce centenaire. Je vous propose de les écouter. Ce centenaire, c'est un symbole pour nous. C'est un moment justement de revoir l'histoire, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et avancer. L'Institut Curie, c'est le berceau de la radiothérapie. C'est un centre unique au monde qui a cette richesse de pouvoir utiliser aussi bien les protons que les photons que les électrons, comme justement avec le cancer du sein où Curie a une force énorme. Nous avons réussi en France de préserver les seins chez les patientes et de ne pas les mutiler juste parce qu'elles avaient une pathologie cancéreuse. Et tout ça, c'est un héritage, mais de l'autre côté, c'est une continuité, continuer le développement, d'être les meilleurs au monde, d'être fiers de Curie. J'ai eu envie de travailler à l'Institut Curie pour la richesse des métiers et l'image que l'Institut a sur l'extérieur. Mon rôle est d'assurer le pilotage administratif de l'unité dans tous ses aspects, finances, ressources humaines et affaires générales. C'est vraiment un métier de l'ombre que j'exerce avec passion. C'est vraiment pour moi un honneur d'accompagner les équipes dans leur quotidien. Le centenaire de la Fondation, c'est l'occasion de redécouvrir celles et ceux qui font partie de l'ADN Curie. Cette multiplicité de métiers qui arrivent à travailler ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, ce centenaire valide une vision qui consiste à faire tomber les barrières entre disciplines scientifiques et entre la recherche et le soin. Ma mission avec mon équipe, c'est d'aider à transférer des inventions issues de l'Institut Curie en produits ou services qui puissent bénéficier aux patients à l'Institut Curie et partout dans le monde. Au quotidien, tout ça permet de placer le patient vraiment au cœur de la recherche, des soins et de l'innovation. Le centenaire, ça met en perspective. Ça nous dit que l'institution dépasse ses individualités. En fait, j'ai trouvé à l'Institut Curie une de ces situations rares où on peut véritablement allier recherche et clinique, avec des médecins qui peuvent faire de la recherche avec des temps médicaux protégés et des chercheurs qui comprennent véritablement les bonnes questions cliniques pour se les poser pour faire avancer la recherche. C'est l'idée d'apporter les découvertes, les idées novatrices aux soins du patient et au chevet du patient. Le centenaire de la Fondation Curie, ça évoque des centaines, des milliers de patients qui sont passés entre nos murs, tous les progrès qui ont pu y être faits et toutes les avancées pour la cancérologie.
J'ai été interne à l'Institut Curie il y a quelques années. Ça m'avait donné très très envie d'y revenir, d'y travailler. Ça m'a donné probablement cette vocation de me tourner vers la cancérologie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perpétue de génération en génération. J'essaye de donner cette envie de continuer à garder cette flamme pour les internes qui viennent chaque semestre se former chez nous. La clé du soin, c'est la bienveillance. Quand on est bienveillant avec les patients nous le rendent bien et surtout on est bienveillant entre nous. Ce centenaire, pour moi, c'est un hommage inconditionnel à Marie Curie, une femme absolument épatante et sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous venons de rencontrer une patiente qui nous a dit qu'elle venait non pas à l'Institut Curie, mais qu'elle venait chez Marie Curie. Les patients se sentent comme dans une famille, c'est ce qu'ils disent. Ce qui m'a donné envie de travailler à l'Institut Curie, c'est d'être en adéquation avec la philosophie des soins proposés, la grande humanité et le respect des patients. C'est une grande fierté de pratiquer tous les jours dans ma fonction d'infirmière. L'implication des équipes et cette émouvante reconnaissance des patients, cette excellence de soins, évidemment, elle nécessite un travail de chaque instant qui est mené par les équipes de l'Institut Curie et qui sera évidemment mené également à l'avenir. On va justement parler de ces sujets d'avenir en recherche et dans le soin avec mes trois invités. Bienvenue à tous les trois. Bonjour Céline Vallot. Bonjour. Céline, vous êtes chercheuse, vous êtes chef d'équipe à l'Institut Curie et directrice de recherche au CNRS. Je précise qu'en 2018, vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS qui récompense chaque année le travail d'une chercheuse prometteuse dans son domaine. En l'occurrence, vous, eh bien, c'est l'épigénétique et vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Raphaël Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous dirigez l'équipe de chimie-biologie du cancer à l'Institut Curie. Je précise également qu'en 2019, vous avez été lauréat du Tétraédron Young Investigator Award qui récompense chaque année le jeune chimiste le plus en vue au niveau international. Et à ma gauche, professeur Gilles Créange, bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis décembre 2019 le département d'oncologie radiothérapie de l'Institut Curie. Absolument. Alors ma première question, elle est pour vous, Raphaël. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de question en science à laquelle on ne puisse répondre à l'Institut Curie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, je maintiens ce que je vous ai dit. Dans l'occurrence, à l'Institut Curie, il y a une grande diversité thématique et culturelle. Donc, vous allez trouver des médecins, vous allez trouver des physiciens, de la physique nucléaire, de la physique newtonienne, des biologistes, des chimistes qui font des molécules, des biologistes qui étudient tous les aspects de la biologie cellulaire, la biologie du développement, la biologie du noyau, la génétique, l'épigénétique, que fait Céline, d'autres qui sont experts dans les processus d'endocytose, la signalisation. Et donc, si on veut pouvoir trouver des solutions concrète pour le traitement des cancers, il faut comprendre toute cette homéostasie qui peut exister entre différents types cellulaires, sous-types cellulaires. Il faut avoir compris que les tumeurs sont hétérogènes en termes de type de cellules, que certaines de ces cellules peuvent changer transitoirement d'identité, ce qui leur permet d'échapper au traitement conventionnel. Et donc, sans cette diversité culturelle, il est difficile en fait, d'identifier des points de vulnérabilité. Et donc, c'est cette diversité à l'Institut Curie qui rend l'Institut unique. Comment est-ce que, Céline, au quotidien, cette interdisciplinarité, elle se traduit et comment elle vous aide à créer du lien entre vous, entre les équipes, pour faire avancer la recherche ? L'interdisciplinarité, l'Institut Curie, elle marche, elle est vivante, parce qu'elle se met en mouvement dans une grande liberté. On peut à la fois aller voir des physiciens, des mathématiciens pour compléter des modèles ou alors développer des nouvelles méthodes expérimentales qui vont nous faire casser des concepts, en faire naître des nouveaux. Et c'est vraiment cette grande liberté qui nous permet de faire émerger de nouvelles choses. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment, comme le disait un peu Raphaël, cette chaîne entre la recherche très fondamentale qu'on peut avoir à l'Institut, à la fois sur des drosophiles ou d'autres modèles systèmes assez exotiques, mais qui va jusqu'à la recherche plus appliquée, la recherche translationnelle qu'on fait dans le département à l'hôpital de l'Institut Curie, mais également une recherche clinique. Donc c'est vraiment main dans la main qu'on va pouvoir faire avancer les connaissances entre ces différents éléments qui amènent finalement vers des nouveaux traitements en cancérologie. Il y a aussi une grande liberté. Exactement. Et c'est vraiment la force de l'Institut qui nous laisse cette liberté au niveau de nos équipes et de nos sujets de recherche. Comment, professeur Créange, toute cette interdisciplinarité, cette liberté, ce contexte finalement,
vous aide à repousser les limites? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on a des traitements efficaces, des médicaments, des rayonnements très efficaces contre le cancer, mais on a des tumeurs qui restent résistantes pour des mêmes tumeurs cancéreuses de patients, et on a besoin de personnaliser le traitement. Et grâce aux équipes de recherche à l'Institut Curie, ils nous permettent de mieux comprendre pourquoi certaines tumeurs résistent plus à une radiothérapie ou à un médicament que d'autres. Et vous êtes au cœur des défis à relever pour que, comme nous le disait Thierry Philippe en début d'émission, cet Institut Curie, eh bien, il reste une boussole dans la lutte contre le cancer. Votre rôle donc, en tant que chercheur va être déterminant. Et ce qu'on avait envie de faire avec vous au cours de cette émission, eh bien, c'était de faire un point d'étape et de parler de ces défis que vous allez relever face aux grands sujets d'avenir. On va commencer avec vous, Céline, avec votre équipe. Vous essayez de comprendre la dynamique des modifications épigénétiques. En quoi est-ce que ça consiste d'abord? Et puis, à quel point est-ce un levier en vue de la thérapie dans le cancer du sein notamment? Donc, les modifications épigénétiques sont des modifications chimiques qui vont être apposées sur le génome, l'ADN des cellules, pour définir qui elles sont et définir ainsi l'identité différente de chaque cellule dans notre corps. Et dans le cancer, en fait, il a été montré que ces modifications sont perturbées, mal positionnées, et donc forcément que l'identité de ces cellules en est perturbée et complètement modifiée. Et l'espoir un petit peu qu'on a avec ces modifications, c'est qu'elles sont a priori à un certain degré réversibles. Et donc il serait éventuellement possible dans certains contextes de pouvoir revenir en arrière et ou de modifier ces modifications. Et nous travaillons particulièrement sur le cancer du sein pour comprendre comment à la fois dans les étapes très précoces de la mise en place de ces cancers, comment ces modifications épigénétiques vont être perturbées, quel levier ça représente, mais également au cours des phénomènes de réponse au traitement et principalement les chimiothérapies. Aujourd'hui, quelles sont les toutes dernières découvertes auxquelles vous avez abouti? Alors, par exemple, on s'est rendu compte qu'avant un traitement, en fait, les modifications épigénétiques déjà présentes dans la tumeur allaient quelque part déterminer sa capacité à y répondre et à y résister. Et donc, c'est comme si on pouvait prédire un petit peu dans l'épigénome la réaction future de ces tumeurs, et donc avec vraiment une application de biomarqueurs et ou de prédiction pour les patients. Raphaël, votre discipline, c'est la chemical biology. Vous travaillez sur la résistance des cellules au traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, afin de mieux comprendre les raisons de ces résistances et puis donc de développer de nouvelles molécules. Dites-nous ce qu'est la chemical biology et peut-être aussi quelles sont les dernières avancées de vos équipes. Alors, comme vous le savez, la chimie, c'est la science de la matière. Et donc, le chimiste, c'est celle ou celui qui est en mesure de reprogrammer les éléments pour faire de nouvelles molécules. Et donc la chemical biology, pour rendre hommage à Linus Pauling et Stuart Schreiber, qui sont les pères fondateurs de la discipline, ceux qui l'incarnent le mieux en tout cas, c'est de mettre la chimie dans un contexte de la biologie. Et donc les deux définitions de la chemical biology seraient la compréhension des bases moléculaires qui régissent les processus biologiques ou le développement d'outils moléculaires, de nouvelles molécules ou de médicaments qui permettent d'étudier la biologie cellulaire ou de soigner. Et donc, ce que nous faisons au laboratoire, c'est que nous étudions donc la transition épithélio-mésenchymateuse, c'est-à-dire la plasticité cellulaire dans le cancer. Et récemment, nous avons découvert un rôle fondamental du fer comme catalyseur des marques épigénétiques que Céline étudie par ailleurs. Et donc, c'est le fer qui permet à ces cellules de changer transitoirement d'état, d'un état non métastatique à un état métastatique. Et donc, c'est ce fer qui leur confère cet avantage, mais en même temps, le fer devient un point de vulnérabilité pour ces cellules. Et donc, nous développons aussi des molécules qui séquestrent le fer et qui retournent le fer comme une arme de toxicité pour ces cellules. Gilles Créange, la radiothérapie, c'est votre discipline, est née ici et a connu évidemment sur ces 100 dernières années de très grandes avancées. Aujourd'hui, quel est l'enjeu d'avenir de cette discipline? Vous avez évidemment déjà beaucoup avancé sur la précision, traiter les tissus malades, épargner les tissus sains, mais aussi mieux traiter une tumeur en fonction de son métabolisme. Donc, comment peut-on encore progresser? On peut toujours progresser. À la découverte de la radiothérapie et de l'utilisation de du rayonnement à visée thérapeutique, ce rayonnement était très diffus. Et pour éviter les toxicités, mais avoir un effet sur le cancer, il a fallu fractionner ce rayonnement pour délivrer une dose et l'étaler dans le temps. Les grandes avancées depuis la découverte de cette radiothérapie et de ses applications cliniques, de la radioactivité, ont été guidées par les avancées de l'imagerie pour mieux cibler
et puis l'imagerie maintenant fonctionnelle pour déterminer le métabolisme des tumeurs, pour mieux comprendre l'hétérogénéité tumorale et personnaliser les doses en fonction de ce métabolisme. Les autres avancées, c'était les avancées de la physique médicale qui ont permis de mieux moduler la façon dont la dose se diffuse et se disperse dans la tumeur en protégeant plus les tissus sains. Ce sont les plus grandes avancées de la radiothérapie. Et aujourd'hui, les perspectives que l'on a, parce que déjà aujourd'hui, les effets secondaires de cette radiothérapie et l'efficacité de cette radiothérapie, ce que l'on appelle la balance bénéfice-risque, a été vraiment améliorée de façon très significative au cours des dernières décennies. Mais la perspective que l'on a maintenant à l'Institut Curie, et qui sera peut-être l'avenir de la radiothérapie, c'est un fractionnement qui, grâce à ces améliorations technologiques, permet de concentrer la dose. D'accord. Et de délivrer moins de séances, sans avoir forcément plus d'effets secondaires et avec une meilleure efficacité antitumorale. Donc des traitements qui avant pouvaient se délivrer en 20 à 40 séances, aujourd'hui on peut les délivrer en quelques séances. Et l'avenir, ce sera peut-être de délivrer cette radiothérapie en une séance. C'est ce que l'on appelle la radiothérapie flash, où une séance est délivrée en quelques millisecondes et on observe le même effet anticancéreux avec moins d'effets secondaires encore. Ou les mini-beams protons, qui est une autre technique aussi en cours d'investigation à l'Institut Curie. Et donc, ce qui suscite évidemment beaucoup d'espoir pour les patients au service desquels vous placez évidemment votre recherche au quotidien. On célèbre les 100 ans de la Fondation Curie, on lance aujourd'hui ces célébrations. Céline, qu'est-ce que ça vous évoque, ces 100 années ? C'est continuer sur cette lancée d'interdisciplinarité et d'intégrer des nouvelles disciplines. Au-delà de la physique, des maths, la science des données doit faire par exemple partie intégrante de nos recherches. Et donc on continue sur cette liberté également qui a été la nôtre dans ces 100 dernières années. Professeur Créange. Un mot d'espoir surtout pour tous les patients. Un grand espoir est né il y a 100 ans et cet espoir aujourd'hui est toujours très présent avec des perspectives encore une fois très intéressantes pour nos patients. Et vous Raphaël ? Eh bien, pour moi, c'est un moment historique important. Comme vous le savez, Marie Curie était chimiste. Elle a notamment eu un prix Nobel pour la découverte de radioéléments. Et donc, j'espère que nos autres chimistes seront les dignes représentants du riche héritage qu'elle nous a laissé et nous serons en mesure, avec nos collègues, d'apporter des solutions concrètes aux patients. Merci, Raphaël. Merci à tous les trois d'être venus en plateau aujourd'hui. Cette excellence thérapeutique et de soins dont nous venons de parler fait la renommée de l'Institut Curie depuis des années maintenant. Les progrès réalisés dans le soin du cancer ont très vite assuré la légitimité, la notoriété de l'Institut par-delà les frontières. Et nous allons parler de cette dynamique internationale avec le docteur Pierre Hanoury. Il y a toujours eu de l'international à Curie. Marie Curie, venue de Pologne, elle s'est entourée de médecins, chercheurs venant de différents pays. Et l'ouverture de l'Institut Curie est marquée par les 8 autres instituts du radium qui ont été créés de par le monde, aussi bien en Amérique du Nord, en Amérique du Sud qu'en Asie. L'Institut Curie a l'international dans son ADN. La conduite de nos missions internationales se fait dans le droit fil de l'esprit de Marie Curie, esprit d'ouverture, de générosité, qu'elle a toujours su véhiculer et faire rayonner. 75% des pays du monde ne peuvent pas caractériser une tumeur. 25 pays d'Afrique n'ont pas d'appareil de radiothérapie du tout. Face à toutes ces inégalités, l'Institut Curie apporte des contributions en termes de formation, en termes de conseils techniques, parfois même en termes de recherche de financement ou de plans de santé publique à l'échelle d'un pays. L'image de Marie Curie est absolument exceptionnelle dans le reste du monde. Donc de ce prestige, de cette réputation, naissent des opportunités de rencontre, des opportunités de projet, tant dans le domaine du soin que de la recherche, avec des doctorants qui nous rendent visite, avec des personnalités de l'Institut Curie qui accompagnent ces instituts partenaires qui se développent avec nous. Aujourd'hui, dans le cadre de la célébration du centenaire, toute la communauté de l'Institut Curie qui sert les différents pays du monde porte cet héritage de 100 ans de service, de recherche et d'accompagnement individuel sur le terrain.
Et pour moi, en tant que médecin spécialiste de santé publique, c'est d'abord un immense sentiment d'utilité dans ces services internationaux, mais aussi doublé d'un sentiment de fierté de le faire au nom de l'Institut Curie et de son rayonnement. Un institut qui rayonne à l'international, un institut dont les ambitions, on l'a entendu et vu, sont élevées. Mais tout cela ne serait évidemment pas possible sans moyens financiers. Je me trouve en compagnie de Frédéric Donne-Dieu de Vabre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes membre du conseil de surveillance et vous êtes également président du comité de campagne Marie Curie, 21e siècle. Frédéric, on peut le dire, sans la générosité, tout ce dont on vient de parler n'aurait pas été possible. Est-ce que finalement célébrer le centenaire de cette fondation, ce n'est pas aussi célébrer 100 ans de capacité des donateurs à vous accompagner ? C'est une histoire, puisqu'en effet un siècle de la fondation, c'est extrêmement important. Et ça démontre que pendant toute cette période, les donateurs ont su se mobiliser auprès de tous les acteurs de l'Institut Curie, suivant l'exemple des premiers fondateurs, pour accompagner l'Institut et essayer de faire en sorte, comme elle l'est aujourd'hui, d'atteindre des niveaux de compétences tout à fait exceptionnels, autant dans le domaine de la recherche que dans le domaine du soin. Vous avez mentionné les premiers fondateurs. Eh bien justement, je vous propose qu'on écoute ensemble un message que nous a adressé Daniel Thierry, qui est l'arrière-petit-fils du docteur Henri de Rothschild, grâce à qui la Fondation a été créée. On l'écoute. En tant que président du conseil de surveillance et représentant d'un membre fondateur, je tiens à saluer le centenaire de la Fondation Curie. 100 ans dévoués à l'excellence dans la recherche et les soins contre le cancer dans un habile équilibre permettant à l'Institut Curie d'être aujourd'hui un leader dans son domaine, son modèle faisant référence dans le monde. Si nous sommes devenus un acteur majeur en cancérologie, l'un des tout premiers centres de recherche en Europe et l'un des hôpitaux les plus importants en France, c'est grâce au talent de nos chercheurs et médecins qui, un siècle plus tard, perpétuent avec dévouement les valeurs de Marie Curie et de Claudice Regaud. Même si l'implication financière de l'État est présente au quotidien, c'est la générosité du public au travers de petits gestes ainsi que par de généreux dons qui pérennisent l'Institut Curie, ce qui lui permet d'assumer de façon de plus en plus efficace ses missions de santé publique au bénéfice de la prise en charge de nos patients. 100 ans d'existence, 100 ans de dons. Frédéric, Marie Curie avait très vite compris que les fonds publics ne suffiraient pas pour le financement de la recherche. Et aujourd'hui, 218 000 donateurs, mécènes, entreprises se mobilisent financièrement aux côtés de l'Institut Curie, en faveur de l'Institut Curie. Quelle est la place de leur contribution dans le modèle économique de l'Institut ? Leur place est importante dans le modèle économique. Ça représente chaque année environ 55 millions de dons et legs. La contribution de tous ces donateurs représente plus d'un tiers des ressources du centre de recherche. Et l'Institut Curie attache une très grande importance, presque sacrée, à cet argent pour le tracer, pour respecter une transparence parfaite, pour communiquer avec ses donateurs sur l'affectation de toutes ces ressources, et veille aussi à ce que ces donateurs, qui les uns après les autres se succèdent dans le temps, soient représentés dans des organes importants de l'Institut Curie, comme le Conseil de surveillance. Donc je pense que tout ça est fidèle à ce qui s'est bâti à l'origine, il y a donc maintenant 100 ans, pour en effet satisfaire à cette exigence de Marie Curie, à ce constat très juste qu'elle a fait, et qui est aujourd'hui plus vrai que jamais, que les fonds publics ne peuvent pas suffire à faire face à la lutte contre le cancer. Et cet argent, il est aussi le garant d'une certaine indépendance. Il est essentiel à l'indépendance, puisque c'est en effet cela, par l'importance de ces dons, qui permet à un Institut Curie de conserver une véritable autonomie sur un certain nombre de ses projets, dont par exemple le projet MC21, dont vous parliez tout à l'heure, pour lequel nous avons mobilisé ce comité de campagne. Pour autant, Frédéric, vous n'appréciez pas ce terme de générosité. C'est un constat très personnel qui n'engage que moi. Je trouve qu'il y a dans le terme générosité une sorte de,
de connotation morale qui me gêne et je pense qu'il n'est pas nécessairement le reflet de l'engagement, en tout cas de membres du comité de campagne ou de bien d'autres donateurs. Je considère ça plutôt comme un acte de solidarité, de citoyenneté, peut-être de devoir. Un très grand nombre de gens ont été touchés directement ou indirectement par le cancer. C'est une des raisons certainement pour lesquelles ils se mobilisent. Mais j'y vois plus de sens civique et de solidarité que des générosités. Et justement, il faut rappeler évidemment que dans les statuts de la Fondation, il est bien précisé qu'elle est reconnue comme établissement d'utilité publique. Cet argent, cette générosité, l'Institut Curie en a toujours et plus que jamais besoin ? Absolument. Ce qui a été initié il y a maintenant 100 ans a permis de créer ce véhicule juridique, Fondation, reconnue d'utilité publique, qui permet, avec une grande efficacité, de collecter ces dons et ces legs dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons que l'on comprend bien, les fonds publics sont de moins en moins nombreux, que la recherche, qui est de plus en plus sophistiquée, coûte de plus en plus cher, qu'il y a une véritable concurrence dans la levée de dons, de legs et de ce type de ressources. Et le dernier point, c'est qu'il y a une véritable urgence dans la lutte contre le cancer, puisqu'il y a aujourd'hui des tas de solutions techniques qui doivent permettre d'atteindre des niveaux d'efficacité beaucoup plus importants que ça n'est le cas aujourd'hui. Et donc, il faut que nous mobilisions tous et toutes autour de cette fondation plus que jamais. Et que continue donc cet élan de générosité qui est en fait inscrit dans l'ADN, évidemment, de la Fondation. Merci beaucoup, merci Frédéric Donne-Dieu de Fabre. Merci beaucoup. L'heure est maintenant venue de conclure cette émission en compagnie de Johan Philippe, qui est directeur adjoint du siège et qui a aussi piloter l'ensemble des événements liés à ce centenaire. Bienvenue, Johan. Enchanté, Nathalie. Alors, Johan, quels sont les principaux événements, le calendrier de ces célébrations du centenaire de la Fondation ? La première pierre de ce centenaire, c'est ce livre qui retrace 100 ans de l'histoire de la lutte contre le cancer qu'on a souhaité éditer pour l'ensemble de nos collaborateurs, de nos partenaires, de nos amis. Cette histoire, elle se retrouve aussi sur les panneaux d'une exposition installée ici, rue d'Ulm, sur le campus Pierre et Marie Curie, mais aussi sur nos sites de Saint-Cloud et d'Orsay. Mmh. Et puis une série de documentaires sera mis en ligne sur le site du musée Curie pour retracer l'histoire de Marie Curie, de l'Institut du Radium et de la Fondation Curie. Et il y a aussi la générosité qui est célébrée. Tout à fait, on célèbre l'histoire et on célèbre surtout la générosité. 100 ans de générosité, 100 ans que nos donateurs nous font confiance et nous soutiennent. Et pour cela, on a prévu une belle campagne, une campagne télévisée notamment, que chacun pourra découvrir en fin d'année avec un spot particulièrement émouvant pour célébrer la vie et le bonheur retrouvé de tous ces patients guéris grâce aux innovations thérapeutiques rendues possibles par la générosité. Une vente aux enchères d'objets d'art exceptionnels qui sera organisé également. Et puis nos grands donateurs eux-mêmes ont souhaité se mobiliser, organiser un dîner de gala au profit de l'Institut Curie. Alors, on a parlé bien sûr du centenaire de la Fondation, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais j'en ai parlé en introduction de cette émission, il y a aussi un autre anniversaire, un autre centenaire qui est celui de ce voyage de Marie Curie aux États-Unis, un événement incroyable en 1921. Et d'ailleurs, on se trouve au cœur de cette histoire, puisqu'on a ici le coffret qui a contenu le gramme de radium qu'elle a récupéré et qu'on lui a offert à cette occasion. Oui, le premier voyage de Marie Curie aux États-Unis a eu un retentissement considérable. À l'époque, Marie Curie va aux États-Unis suite à une rencontre avec une journaliste américaine, Marie Meloney, qui, au cours d'une interview, demande à Marie Curie « Que pourriez-vous souhaiter aujourd'hui, vous qui êtes une scientifique accomplie, déjà lauréate de 2 prix Nobel ?» Et Marie Curie répond qu'elle manque de moyens et qu'elle aurait besoin d'un gramme de radium. Marie Meloney, figure féministe de l'époque, à une époque où les femmes américaines viennent d'obtenir le droit de vote, va se mobiliser aux États-Unis, va mobiliser notamment des réseaux de femmes et va collecter plus de 150 000 $ américains, ce qui est une somme considérable pour l'époque, qui va servir à financer ce gramme de radium. L'année suivante, on est là en 1920, et l'année suivante, en mai 1921, Marie Curie se rend
aux États-Unis avec ses deux filles. Et le point d'orgue de ce voyage, qui va durer plusieurs semaines, est une réception grandiose organisée en l'honneur de Marie Curie à la Maison-Blanche. Et le président américain Harding remet à Marie Curie une clé en or, que vous trouvez ici, qui sert à ouvrir le fameux coffret qui contient le gramme de radium. Donc on a souhaité faire revivre cette histoire de deux manières. D'abord une fiction en quatre épisodes qui retrace le voyage de Marie Curie aux États-Unis. C'est un dialogue entre Marie Curie, ses deux filles, d'autres personnages, et l'intrigue se situe sur le pont du navire au moment du retour. Et puis on a surtout voulu aller plus loin. On a souhaité véritablement faire revivre ce voyage et partir sur les traces de Marie Curie. Une délégation de l'Institut Curie, avec des chercheurs, avec des médecins, sera reçue à l'ambassade de France, à Washington, par notre ambassadeur, pour une rencontre historique et inédite entre les descendants de la famille Curie et les descendants de cette journaliste américaine, Marie Mélonet, pour remercier, 100 ans après, la générosité américaine. Puis l'honneur se poursuivra ensuite à travers un dîner de gala également organisé sur le sol américain. Et nous sommes particulièrement excités à la perspective de ce voyage. Un calendrier chargé, fourni pour donc célébrer ces deux centenaires. Merci beaucoup, Johan, pour ces précisions. Merci à Nathalie. Toutes et tous de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. On se quitte sur les images de l'exposition dont Johan vient de nous parler. Exposition qui est donc accrochée sur les grilles de l'Institut et du musée. Venez donc admirer ces images rue d'Ulm pour célébrer les 100 ans de cette fondation Curie, née grâce à la générosité pour la générosité.